Bonjour de nouveau. Avec notre thème Connais-toi toi-même, nous arrivons à une conclusion que si l'homme se connaissait aujourd'hui, qu'il pourrait arranger la vie sur la terre d'une façon merveilleuse. Et c'est seulement la connaissance des lois naturelles, qu'on appelle aujourd'hui universelles, qui ont une correspondance absolue dans l'homme, qui se reflètent dans l'homme et qui régissent sa vie, seulement cette connaissance des lois nous permettra tout améliorer, tout changer, de nous changer nous-mêmes et d'arranger la terre entière en un jardin superbe. Mais si nous ne connaissons pas quelques-unes de ces lois universelles, naturelles, qui se manifestent même à travers la nature, nous ne pourrons rien arranger. Et regardons comment la science, comment la médecine, qui ont fait quand même un progrès spectaculaire, comment de l'autre côté, là où il s'agit de la vie, là où il s'agit d'installer le vrai courant de la vie, ils sont complètement impuissants et ils ne peuvent rien faire. Alors, quand l'homme va se décider de connaître ces lois, de les apprendre, de les appliquer, surtout de les appliquer, alors là, tout va changer et il se transformera lui-même et il transformera la terre entière. Une de ces lois qui existe depuis toujours s'appelle la loi de la vie. D'après cette loi de la vie, l'âme, qui est la détentrice de la vie même, d'un courant de la vie, elle se tisse les corps, elle se tisse les vêtements, et à travers ces vêtements, elle va expérimenter dans l'école de la matière. Et en sachant qu'à travers ces vêtements, qu'à travers nos corps, c'est l'âme qui se manifeste, c'est l'âme qu'il faut respecter, c'est l'âme qui est celle qui connaît tout, en sachant seulement cela, nous allons nous opposer beaucoup moins. Nous allons nous révolter beaucoup moins, car nous allons nous dire, elle, la sage, elle sait mieux que nous quoi faire. C'est elle qui a tout choisi et c'est elle qui sait qu'est-ce que nous devons apprendre et surtout de quelle façon. Parce que souvent, nous voulons apprendre, mais nous voulons entretenir les anciennes façons, les anciennes méthodes qui ne sont plus valables pour nous aujourd'hui. Alors, en respectant seulement la loi de la vie, l'homme pourra tout transformer. Regardez comment se comporte aujourd'hui la mer. Évidemment et heureusement, pas toutes les mers. Mais il y avait toute une vague où la mer, la jeune mer, refusait de nourrir son enfant. La nature n'a jamais vu ça. Si vous regardez les animaux, comment une mère animale s'occupe de sa progéniture, mais c'est extraordinaire. Elle ne permet à personne de toucher son enfant. Et évidemment, le nourrir, c'est l'essentiel, jusqu'à ce que l'enfant va devenir autonome. Et comment se fait-il que dans notre stupidité, que dans notre ignorance, que dans notre obscurité, une mère humaine refuse de nourrir son bébé? Évidemment, s'il y a une cause qu'elle est malade ou s'il y a une cause grave, c'est autre chose. Mais seulement le fait de refuser de nourrir son enfant, elle n'a aucune idée de quoi elle le prive. Pour toute sa vie, l'enfant pourra souffrir à cause de ce refus. Parce que la première des choses que l'enfant reçoit, c'est l'amour de la terre. Il va se sentir bien sur la terre s'il a bu l'eau, ça veut dire le jus, le lait de sa mère. Il va être bien partout, il va s'adapter facilement à tout. Mais si on lui a refusé, et par quelle raison? Moi, je suis sûre et certaine qu'aucune mère n'a une raison valable de refuser le lait à son enfant. Ça, c'est un aspect. Maintenant, si vous regardez comment nous sommes prêts à accueillir la vie. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir la vie? Ça veut dire accueillir une âme qui a décidé
de descendre dans cette école de la matière et d'y évoluer. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que la femme a inventé de refuser une âme? C'est absolument contre la nature de refuser une âme, de ne pas lui donner la possibilité d'évoluer. C'est contre toutes les lois de l'amour. Et nous, dans notre monde civilisé, la première des choses que la femme se détruit par les pilules anticonceptionnelles, déjà la science commence à découvrir qu'est-ce que ça dérange, qu'est-ce que ça bloque, qu'est-ce que ça détruit dans le corps de la femme. Et vous pouvez regarder les statistiques, mais elles ne sont pas permises pour tout le monde. Ils ne montrent pas les statistiques à tout le monde comment le corps de la femme se détruit par seulement par cette introduction chimique dans son organisme. Et maintenant, déjà quand l'enfant est en train de bâtir son corps, quand l'âme a préparé déjà le corps mental, quand l'âme a préparé déjà le corps sentimental, quand l'âme a préparé déjà le moule éthérique avec les forces dedans, et quand elle a déjà déposé ce moule dans l'utérus de la mère, la mère, tout d'un coup, par quelle raison, ça c'est à analyser dans chaque cas, la mère tout d'un coup refuse cette âme et elle veut l'expulser. Mais quel amour cette femme est capable de donner et à qui si elle n'accepte pas son propre enfant? Et quelle raison elle a pour refuser une âme? Qui lui a donné ce droit de refuser une âme? Et il y a toute la bataille maintenant dans les pays civilisés, ceux qui sont pour l'avortement et ceux qui sont contre l'avortement. Eh bien, ils peuvent se batailler autant qu'ils voudront. Mais ça ne va rien résoudre jusqu'à ce que la femme ne comprendra pas qu'est-ce qu'est la loi de la vie et qu'est-ce qu'est de refuser une âme qui est déjà descendue dans son corps. Ce n'est pas extérieur. L'âme a dû accomplir tout un travail et elle, par une décision stupide, par une décision même pas animale. C'est pire qu'animal parce que les animaux ne le font pas. Si la nature décide, si les seigneurs de la destinée décident de retirer cette âme, ça va se produire naturellement sans provoquer. Mais à quoi on est arrivé? Et on veut maintenant parler de l'amour et on veut maintenant parler de la paix sur la terre. Alors, à qui il faut parler avant tout? Aux femmes. Parce que c'est la femme qui possède la clé de la formation de la matière. Et c'est la femme qui va transformer le monde. C'est la femme qui a créé, qui va créer avant tout la sixième race. Et c'est aux femmes qu'il faut parler. Et c'est la femme qui va aussi influencer l'homme. Évidemment, l'homme a sa place, l'homme a son travail de préparer les choses, d'apporter les choses, de féconder la femme, mais pas dans la situation d'aujourd'hui où l'un et l'autre se combattent et où elle refuse la vie. Et ça n'a jamais été vu, ça n'a jamais existé, même pas chez les animaux. Alors où est-ce qu'on est descendu, dans quelle sorte d'enfer où la femme intelligente, éduquée, évoluée, émancipée, refuse la loi de la vie. L'âme qui est déjà dans son, qui a placé déjà ses tissus subtils dans son corps, elle refuse de tisser. Eh bien, elle subira des conséquences. J'en connais déjà des cas où les conséquences sont catastrophiques. Et toutes celles qui continuent dans cette direction, elles subiront des conséquences. Mais pour transformer l'humanité, on va s'adresser à l'âme. Avant tout, à l'âme qui va descendre sur la terre et à celle qui est déjà sur la terre, c'est la femme. C'est la femme qui accueille l'âme. Il y a quelques mois, j'ai donné une conférence aux sages-femmes du Québec. Et j'étais stupéfaite que combien parmi ces femmes n'acceptent pas l'âme. Comment voulez-vous d'accomplir un travail de sage-femme si déjà la sage-femme
qui doit préparer d'autres femmes, elle, elle ne veut rien savoir que l'âme existe, parce que ça les dérange dans leur travail, il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur mental. Eh bien, ce ne seront pas les sages femmes, ce seront les stupides femmes. Excusez-moi, mais c'est le mot. Jusqu'à ce que l'âme ne sera pas admise dans notre mentalité, on n'acceptera jamais ces lois de vie. Et on va dégringoler et on va mener l'humanité vers l'extermination et on va mettre au monde des monstres. Si vous voyez les statistiques, combien d'êtres mal formés, combien d'êtres anormaux naissent sur la terre, eh bien, qui les met au monde? Bien, c'est la femme. Vous allez dire que je suis moi-même une femme et que j'accuse les femmes. Non, je les adore, les femmes. Je veux seulement qu'elles soient conscientes qu'elles possèdent une clé. Et qu'avec cette clé, elles sont capables de transformer tout. Et que nous aurons bientôt sur la terre, partout dans tous les pays, des écoles qui n'ont jamais existé auparavant. Et c'est la femme qui occupera le rôle principal dans ces écoles, même si les directeurs peuvent être les hommes, évidemment. Ils vont les bâtir, ils vont faire l'ambiance. Mais le rôle principal de la femme sera enseigner comment la vie descend sur la terre, comment la vie doit être accueillie, comment la vie doit être formée, modélée par la femme. Parce que même si l'homme transmet la vie, même si l'homme féconde la femme, ce n'est pas lui qui forme le corps, c'est la femme. Et j'aimerais seulement qu'elle en prenne conscience et qu'elle sache qu'elle possède un moyen le plus puissant dans l'univers, c'est la clé de former un être humain. Mais elle n'est même pas consciente de quelle richesse il s'agit, de quelle valeur il s'agit et qu'elle a dans ses mains, dans son corps. Alors nous aurons ces écoles. Et dans ces écoles, il y aura une éducation spéciale. Vous allez dire, on a déjà des écoles et c'est partout l'éducation. Ça, c'est vrai. On a beaucoup d'écoles, mais on n'a pas d'éducation. On a l'instruction, mais ce n'est pas l'éducation. On instruit énormément et on sait énormément, mais on n'applique rien et on n'améliore rien. Mais ce qu'on apprendra, c'est que la femme, par son exemple, elle va non seulement éduquer les enfants qui sont déjà là, les enfants qui arrivent à l'âge scolaire. Ça, c'est déjà trop tard de commencer l'éducation avec des enfants de 7, de 6, de 8 ans. Ce que la femme va faire, c'est qu'on va installer pour les femmes des institutions, des écoles, de l'éducation prénatale. Car c'est avant la naissance que la femme va commencer cet enseignement à introduire et à collaborer avec l'âme de bébé. Et elle va aider l'âme de bâtir le corps mental. Elle va aider l'âme de bâtir le corps sentimental et elle va faire naître ainsi les êtres lumineux, les génies, les saints, les initiés et les maîtres. Ceux qui connaissent les œuvres d'Omraham Mikhaïl Ivanov, lisez le tome 2 qui s'appelle « L'alchimie spirituelle » et dans ce tome, on parle de la galvanoplastie spirituelle. Et c'est cette galvanoplastie spirituelle qui est liée à l'éducation prénatale qui va être installée partout dans le monde. Personne n'a jamais vu des écoles pareilles où les jeunes filles et les jeunes garçons, et par la suite les jeunes mères, les jeunes couples, se prépareront pour accueillir la vie. On leur enseignera qu'est-ce qu'est la vie, quelle est la loi de la vie, et comment accueillir la vie. Et seulement quand on va apprendre l'attitude sacrée, l'attitude correcte pour accueillir la vie, que la femme va devenir celle qui va mettre au monde les Christ, celle qui va mettre au monde les fils de Dieu.
Pour l'instant, la reproduction va se faire de cette façon. À l'ancienne, si vous voulez, seulement sans douleur. La femme n'enfantera plus dans la douleur dès qu'elle va apprendre à collaborer avec l'âme. Elle va enfanter dans la joie et l'enfant qui naîtra, au lieu de pleurer, il va sourire. Et il existe déjà des cas comme ça. C'est qu'il y a une harmonie, c'est qu'il y a une collaboration, il y a une connaissance de la loi de la vie et la vie est accueillie dans sa vraie valeur. Elle est accueillie telle qu'elle est. Alors, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez lire, vous pouvez vous préparer parce que ce que je vous dis, nous allons le vivre très bientôt. Il existe déjà dans certains pays des organismes qui s'occupent de ces choses. D'ailleurs, bientôt, au mois de juillet, il y aura à Toronto le congrès mondial sur la vie pendant la gestation. Comment l'enfant se prépare, comment l'enfant vit pendant la gestation et quel effet l'état de la mère dans lequel elle se trouve, comment ça va se refléter sur toute la vie de l'enfant. Et il y a des études et des études épaisses, volumineuses sur ce sujet. Partout dans les pays, il y a en France, il y a au Japon, il y a en Californie, il y a au Canada, partout déjà les études se font et les scientifiques s'aperçoivent que l'état de la mère pendant la gestation joue un rôle primordial, ça veut dire de quelle façon, de quelle manière elle accueille, elle s'harmonise avec cette vie qu'elle porte en elle, que de telle façon, ça va se refléter par la suite. Et que le premier mois de la gestation, ça va se refléter à une telle période de la vie et que chaque mois de la gestation va se refléter par la suite pendant toute la vie de l'être humain qui était porté de cette façon. Et si elle vivait dans la beauté, et si elle vivait dans la musique, et si elle vivait dans une harmonie, et si elle vivait tout dans l'émerveillement et l'enthousiasme, eh bien, ça va automatiquement donner un être harmonieux, un être qui voudra réaliser la beauté. Ça va donner un être qui sera automatiquement en harmonie avec l'univers entier et qui va avoir la pensée lumineuse, calme et géniale. C'est déjà prouvé, mais seulement les cas ne sont pas suffisamment nombreux pour les mettre aujourd'hui à travers la télévision. Ça va venir très bientôt. Mais je vous dis, les organismes qui étudient ces choses et scientifiquement et spirituellement, non seulement d'un côté, parce que d'un côté, eh bien moi je vois ici toute une écriture et tout un passé sur ma main. Mais vous, vous ne la voyez pas de l'autre côté. Vous voyez complètement autre chose et vous ne me croirez pas. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui entre les scientifiques et les religieux, entre les religieux et les artistes, c'est qu'il y a les uns qui regardent d'un côté, mais chaque médaille a deux côtés. Ça veut dire qu'il faut se déplacer et aller voir l'autre côté si nous ne savons pas tourner la médaille. Alors, les écoles de l'éducation prénatale, les écoles de galvanoplastie spirituelle se préparent déjà sur la Terre. Et c'est à travers ces écoles que la femme apprendra à travailler avec l'âme, la femme apprendra à respecter la loi de la vie et l'accueillir dans son sein, et elle sera consciente qu'elle possède dans ses mains la plus grande richesse au monde, c'est la clé comment former la vie. Parce que le germe, eh bien, c'est facile de transmettre, mais de former ce germe, de le faire grandir ce germe, eh bien, ce n'est pas l'homme qui le fera, c'est la femme. Pour l'instant, c'est ainsi. Alors, préparez-vous, surtout les femmes, parce qu'on s'est dit déjà que nous entrons dans l'ère du Verseau. On s'est dit déjà que nous entrons dans une époque tellement nouvelle, tellement spéciale, qu'une pareille n'a jamais existé. On s'est dit déjà que nous entrons dans le printemps spirituel
qui n'arrêtera jamais de fleurir, qui n'arrêtera jamais de donner des fruits, il n'y aura plus d'hiver. Dès que nous allons apprendre à nous accorder, à nous harmoniser avec les lois de la vie, mais il n'y aura plus d'hiver, il n'y aura plus de froid, on va toujours entretenir une chaleur, une splendeur, une lumière partout sur la terre. Et celle qui va le faire, c'est la femme. Une autre raison de plus, c'est que l'ère du Verseau, comme auparavant, présentement nous terminons l'ère des poissons, vous le savez déjà que tous les 2160 ans, la Terre change de signe. De signe de zodiaque, elle se déplace, tout dans l'univers se déplace, et que voilà, elle subit d'autres influences, elle subit d'autres conséquences. Et présentement, nous entrons dans l'ère du Verseau. C'est une époque complètement influencée par d'autres planètes, par d'autres puissances, par d'autres courants, mais chaque signe du zodiaque terrestre, chaque signe de la Terre, ça veut dire qu'elle traverse un signe pendant 2160 ans, chacun de ces signes est partagé en lui-même à trois parties. Et ces trois parties manifestent de nouveau tout à fait d'autres qualités et tout à fait d'autres vertus à travers la Terre, à travers l'humanité. Et la première partie, 720 ans. Si vous partagez 2160 ans en trois, ça va donner 720 ans. Dans le langage initiatique, ces 720 ans appartiennent à la femme. Parce que la femme, elle est le symbole de l'amour. Et si nous voulons procréer une nouvelle race, si nous voulons procréer un nouvel homme, si nous voulons procréer une nouvelle époque, toute la procréation, elle est liée à la femme. Et dans le langage initiatique, cette première période qui va durer 720 ans s'appelle la période des vierges solaires. Pourquoi des vierges? Il ne s'agit pas des vierges comme nous le comprenons, il s'agit de la pureté. C'est les femmes d'une pureté absolue qui vont engendrer une nouvelle vie, qui vont inspirer les hommes, qui vont produire des poètes, qui vont produire des génies. Littéralement et symboliquement, la femme va devenir inspiratrice pure sur tous les plans. Alors, elle mettra au monde des enfants purs, elle va inspirer par ses pensées pures des poètes, des scientifiques, des religieux, et c'est cette virginité qui est autrement la pureté, qui va régner partout. Et la femme, par sa pureté, va tout éclairer et tout transformer. Alors les 720 ans à venir appartiennent surtout aux femmes et surtout à cette éducation prénatale où la femme va se lier avec l'univers, avec la conscience divine, avec l'âme, et elle la fera descendre dans les conditions que l'homme va créer. L'homme va créer la beauté que la femme va lui inspirer. Donc l'inspiratrice, ça va être la femme, et le réalisateur, ça va être l'homme. Il y a du travail pour tout le monde, pour les deux, mais chacun saura quel rôle jouer. Et au lieu de se considérer comme des ennemis, au lieu de se regarder comme des adversaires, ils vont se regarder comme des parties complémentaires. Et dans cette complémentarité harmonieuse, on va réaliser des merveilles. Vous dites, oui, et qu'est-ce qui va arriver après 720 ans? La période qui vient après s'appelle la période des fils de la sagesse. C'est la femme qui va les créer, tous ces génies, tous ces saints, tous ces initiés et maîtres qu'elle va mettre au monde, évidemment qu'ils apporteront plus tard cette période qui va s'appeler la période des fils de la sagesse. Et la troisième partie, les troisièmes 720 ans, s'appelle les fils, c'est la période des fils de la vérité. Et présentement, nous terminons l'ère des poissons,
Et cette troisième période de l'ère des poissons, c'est les fils de la vérité. Ils ne sont pas nombreux, évidemment, mais il y en a. Et c'est ces fils de la vérité qui apporteront la lumière pour tous les humains, même s'ils ne sont pas nombreux. Ils sont placés là où il faut et ils parleront au bon moment. Et c'est ces fils de la vérité qui vont faire tomber automatiquement, tous les fils du mensonge vont s'exclure par eux-mêmes. Parce qu'ils ne pourront pas supporter cette lumière, ils ne pourront pas supporter le taux vibratoire extrêmement élevé de la vérité, et ils vont se dissoudre. Les uns seront malades, les autres vont périr dans les catastrophes, les troisièmes vont se suicider. Dans la loi de la vie, c'est comme ça, c'est que les parasites vont mourir par eux-mêmes. Et les fils du mal, c'est des parasites de la vie. Parce qu'ils n'entretiennent pas la vie, ils la détruisent. Et voilà, nous serons les témoins comment les parasites humains, comment les destructeurs humains vont disparaître. C'est pas qu'on leur souhaite, il faut les aider. Pendant qu'ils sont là, il faut les aider. Il faut les éclairer, il faut leur envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de lumière, mais c'est eux qui ne les acceptent pas. Ils ne veulent pas aimer, ils ne veulent pas être aimés. Ils ne veulent pas la lumière et ils ne veulent pas être éclairés. Alors, même si on les adore, même si on les considère comme des enfants désobéissants, eh bien, il n'y aura rien à faire. Dans la loi de la vie, eux-mêmes vont s'exclure à cause de leur faiblesse, à cause de leur obscurité, à cause de leur inconscience. Et voilà, l'avenir appartient à nous tous, mais avant tout à la femme qui va tout transformer et qui va tout transmuer. Et c'est pour ça qu'il y aura des écoles pour les jeunes filles où elles vont apprendre, par exemple, à qui on peut donner son corps et à qui on ne peut pas donner son corps. Elle va être instruite d'une telle façon qu'elle pourra reconnaître un voyou ou un criminel. Il pourra comparer selon son aura, selon ses pensées, selon ses mains seulement, selon ses yeux. Elle va reconnaître quelqu'un qui est criminel et quelqu'un qui est pur. Et elle va apprendre qu'il existe une loi pour des filles qui s'appelle la loi de la première pénétration. Que cette loi, elle la porte par la suite en elle-même. Si elle la connaît, cette loi, c'est qu'elle va se laisser pénétrer par la lumière, par la pureté, et évidemment, elle va procréer des merveilles. Mais si elle ne connaît pas cette loi, eh bien, la première empreinte, la première pureté qu'elle a laissée pénétrer, ces taches vont laisser leur trace pour toujours en elle. Et même par la suite, si elle aimerait se débarrasser de ces taches ne sont pas très faciles à enlever. Vous savez comment ça marche avec le vêtement. Si vous avez taché quelque chose et si vous n'enlevez pas la tache, mais immédiatement, et même si c'est immédiatement, il y a des fois les traces. Alors, les filles, avant tout, avant de devenir des mères, avant de vouloir transmettre la vie, former la vie, les filles vont apprendre certaines lois, certains comportements, comment se comporter envers un garçon, qu'est-ce qu'il y a à recevoir, qu'est-ce qu'elle a à lui donner, et à travers ces échanges divins, eh bien, la fille va s'épanouir et elle mettra au monde des divinités. Évidemment, pour y arriver, il y a encore du travail à faire. Il y a encore certaines choses à purifier, à clarifier, à changer dans notre mental, mais on y arrivera, parce que c'est déjà là, ces écoles sont déjà en formation. Et peut-être bientôt, on en parlera beaucoup plus en détail, car tout est déjà en structure, mais comme ce n'est pas encore achevé, terminé, eh bien, on n'en parle pas encore au public large, parce que même là, on se demande combien ils sont prêts à tout cela. Premièrement, la première, par exemple, condition pour ces écoles, c'est qu'il faudrait être végétarien. Vous allez dire pourquoi? Parce que ces écoles sont les écoles de l'amour. Et le carnivorisme nous entretient dans la loi de la violence.
Comment voulez-vous aller dans une école de l'amour et qu'est-ce que vous croyez qu'on pourrait apprendre dans une école de l'amour si nos cellules sont imprégnées par la loi de la violence? Si nous absorbons la violence, si nous absorbons tous les sentiments que l'animal qu'on a mangé a possédé. Il a possédé la cruauté, il a possédé la peur, il a possédé toute la haine envers les humains qui veulent le tuer. Et nous avons absorbé tout cela. Et comment voulez-vous maintenant apprendre l'amour si on a l'agressivité, la haine, la peur, la cruauté dans nos propres cellules? Alors, quand on va les libérer, nos cellules, de tout cela, eh bien, dans ce cas, peut-être on sera un peu plus prêt, on sera un peu plus disposé d'apprendre les choses divines, les connaissances divines dans une école de l'amour. Et par la suite, évidemment, il y aura un travail avec les enfants, même avec les enfants qui sont déjà là. On aura des écoles avec un contenu initiatique. On aura des écoles que les parents vont s'émerveiller avant les enfants, parce que c'est un contenu tellement inhabituel et tellement merveilleux qu'on sera complètement bouche bée devant la splendeur, devant les merveilles qu'on peut donner aux enfants. Et je vous le dis, c'est déjà en préparation. Mais ça prendrait aussi des enfants, évidemment avec les parents qui ont leur consentement pour cette façon d'éduquer, pour cette façon de donner aux enfants. Et l'essentiel dans cette pédagogie, ça va être l'exemple. Les maîtres nous disent que la meilleure pédagogie est basée sur l'exemple. Vous avez bien à expliquer aux enfants, vous avez bon à leur donner quoi que ce soit, mais si les enfants voient qu'on agit différemment, ça veut dire que nos paroles ne correspondent pas à nos gestes, ils ne vont jamais écouter nos paroles, mais ils vont reproduire nos gestes et ils vont nous imiter. Parce que les enfants, ce sont des imitateurs, c'est des éponges qui absorbent, c'est des imitateurs tout simplement, qui vont tout imiter. L'enfant capte l'image de la pensée et notre parole, ça ne lui dit pas grand-chose, surtout si notre parole ne correspond pas avec la pensée. Alors dans ces écoles, il y aura sûrement l'instruction. Ça veut dire qu'on apprendra aux enfants comment la fleur se reproduit. Et aujourd'hui, il y a toute une explosion avec la sexualité, et dans les écoles, et au cinéma, et partout dans la vie où vous allez, on veut absolument apprendre aux enfants les choses qui ne sont peut-être pas pour les enfants. Et vous allez dire, oh non, aujourd'hui on a évolué, les enfants sont déjà beaucoup plus évolués, ils comprennent mieux. C'est très bien. Mais de quelle façon on leur apprend ces choses? Par exemple, on expliquera aux enfants comment ça marche dans la nature. Et l'enfant ne sera jamais repugné. L'enfant ne sera jamais scandalisé. Parce que la fleur, c'est les organes sexuels de la plante. Mais on n'apprend pas aux enfants aujourd'hui d'admirer cette merveille. C'est toute une merveille, une rose. Et tout ce que la plante donne à travers sa fleur, mais c'est la reproduction, elle se reproduit à travers. Mais on n'a pas trouvé encore cette comparaison. On n'apprend pas aux enfants selon la nature, comment ça marche dans la nature. Et alors, avec une toute petite connaissance de la nature, on pourra apprendre aux enfants les plus grandes lois de la vie. Mais ça va être le contenu des écoles futures. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants aujourd'hui? Eh bien, comment se tuer, comment manipuler avec des pistolets, avec des armes. Ça fait pas longtemps, je vous ai raconté l'exemple qu'il y avait une boîte pour les cadeaux avant Noël, ici à Grimby, il y a un an et demi. Et je m'approche de la boîte, j'étais tout émerveillée, quelle idée d'aider les enfants pauvres. C'était marqué, et je regarde dans la boîte, un seul pistolet, comme jouet. Alors voilà avec quoi on veut éduquer les enfants et qu'est-ce qu'on veut leur apprendre. Donc la sixième race, l'humanité future,
dépendra de nous, mais surtout de la femme. Et le rôle de la femme est immense. Et avant qu'elle apprenne toutes ces lois naturelles, toutes ces lois universelles, elle apprendra à se connaître elle-même. Elle apprendra pourquoi elle est liée à la Lune. Elle apprendra comment elle est liée à la Lune. Et qu'elle-même intérieurement passe par ces lunes intérieures. Et que son moi, le moi de la femme, le moi M-O-I-S, comme on a 12 mois de l'année, le moi lunaire de la femme, est partagé en 4 saisons, exactement comme nous vivons 4 saisons dans la nature. Elle vit en un mois ces 4 saisons. Et pendant le premier mois, la femme, elle est toute épanouie, elle est toute bien. Quand l'ovule est en formation, quand la vie se forme en elle, quand la vie bourgeonne en elle, eh bien, elle vit son printemps. Et vous allez voir la femme toute émerveillée, la femme toute resplendissante, qui est exactement comparable au printemps. Parce que tout bourgeonne, la vie bourgeonne en elle, et elle a besoin de sortir, elle a besoin de s'extérioriser, et surtout l'homme, qui va connaître cette vie intérieure de la femme, qui va connaître comment la femme est structurée, et par quelles lois elle est dirigée, il va faciliter, il va aider la femme dans son travail au lieu de ne pas lui permettre de sortir en sachant qu'elle est dans son printemps et qu'au printemps tout doit sortir, eh bien il va lui trouver les occasions, mais des belles occasions. Aller voir quelque chose de beau, aller voir quelque chose dans la nature, aller écouter un beau concert. Il va lui trouver des occasions pour qu'elle s'extériorise et qu'elle fleurisse. Et après, ce qu'il vient pour la femme, c'est son été. Exactement comme dans la nature, alors tout s'installe, tout est sorti, tout est bien, mais évidemment tout est exposé. L'été, pendant l'été, la nature s'expose. Et la femme aussi, pendant son été, elle aime s'exposer. Elle aime être belle parce qu'elle est au maximum de sa saison. Et exactement comme la nature, comme les fleurs, elle veut émaner, elle veut des nouveaux parfums, elle veut des nouvelles robes. Comme la nature qui s'habille, donne tout ce qui est nouveau, alors c'est là qu'elle montre ce besoin. Et surtout, comme elle ne sait pas que ce n'est pas Madame Rochas ou Monsieur Dior qu'il faut mettre sur soi comme parfum, mais c'est nos qualités. C'est notre beauté intérieure qui doit émaner comme le parfum. Mais comme elle ne le sait pas, elle va encore dépenser des sommes considérables pour s'embellir, pour se parfumer par des affaires qui ne durent pas longtemps. Mais si elle cultive une vertu, si elle cultive une finesse, une douceur, quelque chose de très beau qui lui reste pour toujours, eh bien son parfum intérieur va être là constamment. Et nous allons acquérir notre parfum intérieur. Et c'est pour ça que nous passons par notre été pour acquérir nos parfums. Et que voilà, l'ovule est formé, elle est prête à recevoir la vie. Ça veut dire que la femme a passé son point culminant, elle a passé par son été, et si l'ovule a rencontré une autre particule de la vie, là tout est bien, c'est la gestation qui commence. Mais supposez que l'ovule n'a pas rencontré cette autre particule et que la femme ne peut pas faire son travail naturel, ça veut dire former un enfant. Alors qu'est-ce qu'il arrive dans son corps, dans toutes ses fibres, dans toutes ses cellules? Ce qui va arriver, c'est que c'est un découragement. Tout en elle est découragé parce que l'ovule qui a été formé pour elle, pour rencontrer une autre particule de vie, elle n'a pas accompli sa mission. Et vous savez comment l'ovule voyage, et que voilà, à travers son voyage, la femme qui aime aller regarder les vitrines, voyager un peu, exactement comme la vie en elle se passe, elle n'a pas trouvé une autre particule, et que voilà, tout en elle se décourage, et elle entre intérieurement dans son automne. Dans son automne. Et qu'est-ce qu'il arrive à l'automne? Eh bien, c'est gris, il pleut, c'est plus froid, c'est pas agréable de sortir. Et la femme, exactement, elle va vivre une semaine
Donc, ces 4 semaines correspondent à 4 saisons. Elle va vivre ce découragement cet automne. Et si elle a bien passé son printemps et son été, son automne va être beau. Mais vous savez qu'à l'automne, c'est très beau, surtout au Canada, et la nature et la température, c'est très beau. Alors, si la femme a vécu harmonieusement, bien, son printemps et son été, c'est que son automne ne va pas être trop douloureux. Ça va être beau. Mais il y aura quand même quelque chose en elle d'inexplicable. Elle ne saura pas d'où tout d'un coup vient une tristesse. Et elle aura besoin d'être consolée. Elle aura besoin d'être cajolée. Elle aura besoin d'être chauffée, d'être qu'on lui montre un peu d'affection, un peu d'attention, parce qu'elle est dans son automne. Et que voilà, si son compagnon est suffisamment attentif, s'il sait toutes ces lois, eh bien pour elle, ça va être même agréable de passer son automne. Mais sinon, qu'est-ce qu'il va arriver? Alors, la nature, elle se dépouille, elle perd ses feuilles. Et la femme, eh bien, même si son mari l'invite quelque part, ce n'est pas le moment de l'inviter quelque part. Parce que la femme veut rester pendant cette semaine à la maison. Mais elle va traîner un peu, elle va nettoyer un peu. Exactement comme dans la nature, les cultivateurs ou les jardiniers, ils ramassent les vieilles feuilles, les feuilles qui ont tombé. Alors la femme va faire la même chose. Elle va ramasser des vieilles affaires, des vieux sacs, des papiers, des robes. Et puis elle va dire, même si son mari l'invite quelque part, « Oh, elle va dire, moi, je n'ai pas envie parce que je n'ai rien à mettre. » Même si la garde-robe est pleine de vêtements, elle va dire « Oh, je n'ai pas de robe, je n'ai rien à mettre. » C'est exactement comme dans la nature, les feuilles s'en vont, le vêtement s'en va, les arbres se dénudent et la femme se sent dénudée. Alors pour Marie, c'est de savoir que ce n'est pas le moment de l'inviter où que ce soit, qu'il arrange les invitations et les concerts et les sorties pendant le printemps et pendant l'été. De sa femme, évidemment. Alors, quand elle passe cette semaine de l'automne, selon l'harmonisation pendant le printemps et l'été, ça peut être beau ou moins beau, il arrive la 4e semaine où l'ovule, qui n'a pas rencontré cette autre particule de vie, se prépare pour être expulsé, pour être complètement anéanti et renvoyé dehors, parce qu'elle est une particule qui ne peut être utilisée. Et la femme, encore de nouveau, se prépare à quelque chose, dans certains cas, c'est même drastique. La femme peut passer par les douleurs physiques, sans parler de ses états psychiques. La femme peut passer par des pleurs. La femme peut passer par des petites crises. Si l'harmonie n'était pas correcte pendant les périodes précédentes, cette dernière période qui correspond à l'hiver va être très douloureuse. Et c'est comparable avec ses propres funérailles. Parce que l'ovule, elle est morte. L'ovule morte, elle est expulsée. Alors, c'est les funérailles de cet ovule. Et la femme le passe chaque mois. Alors, quand elle va apprendre à se connaître juste de ces quelques aspects, comment ça marche en elle, comment il faut s'harmoniser, avec qui il faut parler pendant qu'elle est dans cet état, qui il faut demander pour qu'elle soit bien purifiée, pour que son sang soit bien utilisé. Eh bien, on n'a aucune idée de cela, qu'il y a un travail à faire pendant ça. Vous demandez, vous parlez aux mamans ou aux grands-mamans. Il y a les grands-mamans qui étaient des initiées. Et les grands-mamans vont vous dire, il ne faut jamais pétrir le pain pendant que vous êtes dans votre cycle mensuel. Parce qu'il se peut que le pain ne va pas lever. Il ne faut jamais faire la mayonnaise parce que votre mayonnaise peut tourner. Et oui, ce sont des faits que les grands-mamans connaissaient, mais que les jeunes filles d'aujourd'hui ne se soucient pas trop de cela. Pourquoi? Parce que nous sommes habités, nous sommes visités par des entités qui vient se nourrir de notre sang, qui attendent, parce que le sang, c'est un sucre particulier, qui attendent certaines choses de nous. Et si on était bien harmonieuse, tout va aller bien et on va attirer des êtres lumineux. Mais si on n'était pas correcte,
eh bien, on va attirer des clochards du monde astral. Et ce n'est pas agréable toujours leur visite. Alors, voyez, si vous allez en Chine, même aujourd'hui, en Chine, il y a des maisons spéciales où toutes les femmes du quartier, ou je ne sais pas, de quelques rues, se réunissent pendant leur cycle mensuel. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles font certaines prières, elles font une certaine purification, et elles font certains travaux manuels prédestinés à cette période, et elles ne touchent à rien d'autre. Ce n'est pas que c'est un état, quelque chose qu'il faut être dédaigné, pas du tout. C'est seulement un état spécial qu'il faut être au courant qu'il y a un travail spécial à faire. Et comme la femme ne maîtrise pas cette période, cet état, vous le savez que même à l'époque de Moïse, pendant que la femme était dans ses funérailles, on ne lui permettait même pas d'entrer dans le temple. Elle peut entrer dans le temple, mais s'il savait par qui elle est visitée et qui l'habite. Mais comme elle ne le sait pas, et comme eux, ils ne savaient pas non plus, eh bien, c'était plus facile de ne pas lui permettre, parce que c'était trop sacré. Ça ne veut pas dire que la femme est toujours impure. Non, elle est peut-être seulement si elle est inconsciente. Mais dès qu'elle est consciente, eh bien, elle devient même une vierge solaire. Alors, c'est ça aujourd'hui, c'est que la femme, par sa conscience éveillée, par l'apprentissage de quelques petites lois, elle va devenir une merveille, une inspiratrice, une vraie mère, une vraie femme, une vraie flamme, qui va enflammer l'humanité entière, qui va transformer l'humanité entière, parce qu'elle possède la clé de la formation de la matière. Et il y a un autre aspect qui va vous paraître peut-être assez inconnu, mais qui est extrêmement réel, c'est que vous le savez très bien qu'auprès de quelqu'un, vous vous sentez bien, et auprès de quelqu'un d'autre, vous ne vous sentez pas bien. Et vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question pourquoi c'est ainsi. Vous allez dire, oh, lui, il m'est sympathique, et lui, il m'est antipathique. Ce n'est pas seulement cette sympathie et cette antipathie. C'est qu'il y a d'abord ce parfum dont on parle, il y a nos émanations. Nos émanations ont une couleur. Nos émanations ont une musicalité. Nos émanations ont un parfum. Et alors, si le parfum, si la couleur, si la musicalité de quelqu'un ne nous correspond pas, on ne va pas être bien auprès de lui. Mais auprès de quelqu'un d'autre qui est musical, qui est harmonieux, qui est paisible, qui a des couleurs splendides à déverser sur nous et qui a un parfum merveilleux, on va se sentir bien auprès de lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il existe des êtres sur la terre, qu'on les appelle maîtres ou initiés ou comme vous voulez, des guides de l'humanité. Et ces êtres perçoivent nos émanations. Dans nos émanations, il y a une partie qui est lumière, qui est rayon. Alors, à travers nos rayons, ils perçoivent cette lumière et ils perçoivent la qualité de nos émanations. Et alors, ce qu'une femme pure, une vierge solaire, peut émaner, peut émettre, pour eux, ça a une valeur extraordinaire, parce que les émanations éthériques de la femme peuvent servir pour former, on en a parlé déjà, que pour former un bébé, ce qui est préparé d'abord, c'est un moule éthérique. Et dans ce moule éthérique, après, on place le bébé et le bébé se forme par la mère. Mais pour préparer le royaume de Dieu sur la terre, qui est un bébé immense de la terre entière, un organisme nouveau, maintenant qui se forme. Mais pour le faire, pour le réaliser, ça prend un moule. Et pour former ce moule, ça prend des émanations pures, des femmes pures, des femmes sincères, des femmes qui sont tout amour. Et alors, dans ce cas, ces guides de l'humanité peuvent nous amener, peuvent amener même les hommes, de réaliser le royaume de Dieu sur la terre.
Et si nous ne sommes pas conscientes, si nous vivons dans l'impureté, si nous vivons n'importe comment, dans la haine, dans la jalousie, évidemment que la qualité de notre parfum, la qualité de notre couleur et de notre lumière ne sera pas fameuse. Alors dans ce cas, on reste attaché au passé, on reste attaché à nos souffrances, à nos misères et rien n'avance. Et l'humanité d'aujourd'hui se trouve dans cet état, c'est que rien n'avance parce que nous n'avons pas la moindre notion de l'essentiel qui est la loi de la vie. Alors souvenez-vous de cela et dites-vous que je suis capable de participer à ce printemps spirituel qui n'arrêtera plus jamais. Je suis pas capable de devenir un jardinier de ce printemps et de participer à la transformation de l'humanité entière. Donc l'avenir est prodigieux. Je vous dis, on en a peut-être déjà parlé, qu'on n'aura même pas besoin d'électricité. La sixième race n'utilisera pas, bien, d'ici quelques temps, elle n'utilisera même pas l'électricité parce qu'elle va tout éclairer par son aura. Vous entrerez quelque part dans une pièce et par notre aura, on va l'éclairer. L'humanité va se détacher de la Terre et nous allons posséder une énergie qui va nous permettre de traverser l'espace, d'aller visiter d'autres planètes. Vous allez quelque chose à dire à quelqu'un d'autre, eh bien, vous allez vous dématérialiser ici et vous matérialiser ailleurs. Vous voulez écrire une lettre à quelqu'un, eh bien, vous allez la matérialiser par votre pensée là où vous voulez l'envoyer. Vous n'aurez pas besoin de l'écrire, juste par la pensée, vous allez la matérialiser ailleurs si ça va être votre désir. Vous pourrez encore transmettre la pensée différemment, mais ça va être peut-être une des façons. Et vous allez dire quand ça va venir. Mais ça dépend de nous. Ça peut venir déjà demain, si nous avons déjà fait ce travail de purification, de préparation, ça peut devenir déjà demain. Il y a déjà des êtres sur la Terre qui voyagent à travers l'espace. Il y a des êtres qui sont clairvoyants, mais pas ce clairvoyant qui vous dévoile l'astral bas, qui vous dévoile toutes les catastrophes, mais des vrais clairvoyants qui vont puiser dans les archives universelles et qui vont vous dévoiler n'importe quoi, évidemment, si on est prêt. Si on n'est pas prêt, ils ne nous dévoileront rien. Alors tout cela, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une science-fiction, ce n'est pas quelque chose d'utopique qui ne se réalisera jamais, mais ça existe déjà sur la Terre. Et nous, les représentants de la cinquième race, c'est à nous de préparer les conditions pour se transformer nous-mêmes en sixième. Parce que la sixième race, c'est très facile de les caractériser. La sixième race, c'est celle qui va donner et la cinquième race, c'est celle qui prend. Alors, tournez-vous autour de vous, regardez bien autour de vous et partout où vous allez trouver quelqu'un qui donne, par la pensée, par l'amour, par le geste, par sa générosité, c'est qu'il est déjà dans la sixième race, au moins en partie. Par le geste de donner, nous entrons, on fait des pas pour entrer dans la sixième race. Et par le geste de prendre, nous restons dans la cinquième race. Alors, je vous le répète, l'avenir de l'humanité, il est prodigieux. Il est d'une splendeur et d'une beauté dont on n'a aucune idée. Et je suis très heureuse qu'on me permet de transmettre à vous, de transmettre partout à travers la province où je donne mes conférences, à Québec, à Jonquière, à Victoriaville, ici, à Saint-Jean, à Saint-Jérôme, à Montréal, de transmettre très peu, parce que c'est très peu, quelques miettes de ces merveilles que moi-même, j'ai la possibilité de voir, j'ai la possibilité de capter, et je suis très heureuse que le ciel me donne ce privilège de vous encourager, de vous dévoiler quelques petites merveilles qui nous attendent et qui sont d'une réalité absolue. Seulement, il n'y a pas beaucoup de candidats qui veulent y parvenir. Ce qu'on veut, c'est y aller très rapidement, même si on se casse la tête, mais y arriver à tout prix.
Alors, ça ne marche pas comme ça, parce que dans la nature, rien ne marche de cette façon. Tout va graduellement. Vous prenez comment un fruit mûrit, vous prenez comment une plante pousse, comment elle fleurit, ça va petit à petit et graduellement. Alors, c'est la même chose pour nous. Quand on a parlé des chakras, quand on a parlé des énergies, si nous voulons aller trop vite, c'est qu'on peut même briser certaines choses dedans, c'est qu'on peut même brimer certaines choses en nous, déchirer les membranes, et ça peut être néfaste. Alors, par quoi commencer? Eh bien, on en a parlé de s'observer, on en a parlé comment mener notre journée, toutes les occupations que nous faisons, ça doit devenir les gestes, les manifestations des êtres de la sixième race. C'est de donner. On a dit seulement tout à l'heure que la finesse, la douceur, la tendresse, ce sont les qualités de l'âme qui forment l'opposé de l'arrogance, de la grossièreté, de la violence et de viol. Alors seulement en voyant autour de nous tout ce qui n'est pas bien, et quand on commence à agir comme il faut, bien, avec ces qualités de l'âme, nous installons déjà des particules, des éléments de la sixième race sur la Terre. Alors, tous ceux qui veulent y participer, ils peuvent le faire tout de suite, parce que ce travail est accessible à tout le monde, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je crois qu'on en a déjà parlé. Regardez un enfant, un petit bébé qui est allaité par sa mère. Croyez-vous qu'il comprend comment son sein est composé? Croyez-vous qu'il sait que son sein droit est lié à la voie lactée et son sein gauche à la lune, etc.? Il n'a aucune idée. Mais c'est pas compréhensible pour lui, mais c'est accessible. Vous voulez vous mettre au soleil? Eh bien, vous sortez de la cave et vous êtes au soleil. Et c'est ça aujourd'hui pour nous. C'est accessible, même si c'est incompréhensible. Alors, c'est de se décider et de se dire « je veux participer » et on trouvera les moyens. Parce que celui qui veut, il peut. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bel été, parce que c'est notre dernière conférence aujourd'hui. Un été lumineux, chaleureux, plein d'amour, et peut-être nous nous reverrons une autre fois ailleurs. Je vous remercie de nouveau pour votre patience, attention, et portez-vous bien tous. Au revoir.